Eh bien salut à tous et à tous les gars, c'est MicroS, comment ça va moi? Ça va mais super bien les gars, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de la carrière pro, pardon, avec notre joueur qui évolue encore et toujours en FC Ball. Il fait vraiment une saison assez badass notre joueur. Voilà les gars, on continue notre aventure. On continue notre aventure et déjà on a un match contre Lucerne qu'on va pas jouer. Oui, je vous explique pourquoi. Parce qu'on est toujours engagé en Europa League. Dans l'épisode précédent, on avait éliminé Bordeaux. On avait perdu 2-1 à l'aller, mais on n'avait pas joué. Parce qu'on avait joué ce match pourri là. Ça veut dire qu'on va pas jouer ce match pour juste pouvoir jouer ce match-là en fait. Vous voyez? Parce que j'aurais vraiment, vraiment la haine de me retrouver éliminé, mais de ne pas avoir pu défendre les couleurs du club en fait. Juste ça. En pensant que je suis celui qui marque le plus de buts dans cette équipe. Donc franchement, ma place, elle est juste sur le terrain quoi. Alors, les petits entraînements, on progresse au niveau de la finition, ça reste quand même le plus important. Chez un attaquant, c'est très bien. Et donc, on va s'avancer gentiment pour ce match contre Braga. On n'a pas le droit à l'erreur. Là, les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Je vous rappelle, hein, le scénario, on a perdu 2-1 à l'aller. Il faut au minimum une victoire. Il faut gagner. On s'en bat les couilles comment, il faut gagner de toute façon. Donc on va aller à fond dans ce match et on va affronter Braga et on espère vraiment pouvoir se qualifier pour les demi-finales de cette Euroleague. C'est parti les gars, on se retrouve tout de suite sur le terrain. Mec, on est putain de chaud. On n'a pas le droit, on n'a juste pas le droit de se rater aujourd'hui les gars. Braga, ça va être tendu, faut tout donner. Faut vraiment avoir zéro regret à la fin de ce match. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'être éliminé. Pas après avoir fait un excellent début de parcours en Euroleague, surtout qu'on joue pas contre des clubs badass quoi. On joue contre des bonnes équipes, mais tout à fait à notre niveau. Allez, je passe avec la roulette. Tiens, que je te croche. Allez, on se crée la première action. Oui, bon voilà les gars, allez. Voilà les gars, bon comme ça on n'aura pas douté longtemps. Allez, deuxième minute de jeu. Et on ouvre déjà le score, on a reçu un ballon. On a reçu un ballon, on a frappé une fois, deuxième minute de jeu. Au moins, on n'aura pas douté longtemps. Grosse frappe. Petite roulette sur le côté, on passe entre les deux. On évite le deuxième. On se met dans le sens du but. Une frappe croisée qui finit dans le petit filet. Magnifique. Oh bah là, ça pouvait pas partir mieux. Troisième but de jeu, 1-0 les gars. Bon, bah on est calme. Bah, voilà, ça commence très 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 fort les gars. Magnifique. Ça commence super fort dans cet épisode. On ouvre déjà notre compteur but en plus. C'est vrai que c'est toujours agréable de finir un épisode en marquant au minimum 2 ou 3 buts. Hein. C'est vrai que pour vous, ben, ça reste le but. Et ben là, voilà, on aura un 10 de notes. On pourra se lamenter d'avoir eu un 10 de notes durant ce match. 5ème minute de jeu, on a 10 de notes actuellement. Donc voilà. Quand même notre coéquipier qui va au bout de l'action. Mais c'est compliqué là. C'était très très compliqué. Changement de jeu. Il tourne la balle. Il faut tourner la balle. Hein. Il n'y a que ça à dire pour le moment. Ouais. Changement de jeu. Ouh, récupération de cette balle. Celle-là, elle est récupérée, cette balle. Hop. Tu peux revenir avec moi, t'appuyer. Hop. Elle est bonne. Reviens avec moi si tu veux. Allez, il faut tirer, gros. Oui. Ouais, c'est juste. C'est juste. Il y a l'initiative de tirer, messieurs. C'est juste. C'est juste. C'est bien joué. On se crée des actions, hein. Pas mal, même si c'est complètement raté hein, la frappe de Taulen. Au moins il tire. Hop, je passe le premier. Je mets une brelon en profondeur. Je peux revenir dans l'axe avec moi à la frappe. Oh, dommage. Je pense que ça se dit Mathéus ou je sais pas comment. Il capte facilement le ballon. Oh, dommage. Bien une bonne compatibilité, mon gars, sûr. Oui, l'appel est bon. Hop, je passe le premier. Et je t'envoie la frappe au deuxième. Le gardien qui nous la ressort. Ah, il est en train de se rattraper de son but encaissé tout de suite dans le match. Wouhou, ça tacle, dommage. Non, 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 là, il n'y a pas faute. Mais là, il n'y a pas faute. Il est fou de siffler, là. D'où je fais faute? D'où? Oh, bah là, ça récupère. Oh, là, ça récupère. Et là, on fait bobo. Oui, oui, mon garçon. Oh, il est long, cette balle. Hop, ça passe dans l'axe. Oh, j'aurais dû lâcher le ballon. Aujourd'hui, le ballon, c'est le ballon. Je sais plus quoi faire. J'ai bientôt plus d'énergie. Ah! C'est bon, on garde le ballon. Va en bas. Va en bas, gros. Oh! Ça passe devant. Oh non, le gars. C'est pas terminé. Penalty! T'aurais dû tomber.
Y'a plus de gardien! Non, non! C'était quoi cette action? What the fuck? Il aurait dû tomber! Il aurait dû tomber! Le con, il aurait dû tomber notre joueur! Oh, puis Lucas Zuffi rentre. Oh, pourquoi il n'est pas tombé? Pourquoi t'es pas tombé, gros? On peut pas revoir l'action ralentie? On peut pas la revoir ralentie, cette action? Oh putain, ça aurait été le tournant du match. Oh, je vais quand même regarder au ralenti, les gars, je suis désolé. Déception. Oh la déception sur cette action, les gars. Oh la déception, je tire comme une merde à côté, mais. Regardez. Regardez ça. Non, 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 ça fait mal aux yeux. L'appel est parfait. Là, il n'y a pas faute, là, il n'y a rien du tout. Là, on va perdre notre duel. Magnifique arrêt du gardien. Le défenseur, regardez, je sais pas ce que fait le défenseur. J'arrive. Regardez le gardien. Regardez le gardien. Là, il y a faute. Là, il y a pénalty, les gars. Là, il y a pénalty si on tombe. Il y a trois fois pénalty. Le gardien, je sais pas ce qu'il fait. Regardez, le défenseur, il va dessus dans le but. Et moi, je tire une comme une merde à côté, quoi. Je suis dégoûté, les gars. Dégoûté. J'espère pas qu'on va regretter. Parce qu'alors là, c'était une énorme action qu'on a ratée, là. Oui, touche encore, mec. Oh, dommage. Et moi, je viens. Voilà. Le geste du défenseur. Quoi? Oh yes, en plus je lui attire dessus. On va pouvoir la récupérer, viens avec moi. Je garde la balle. Hop, je te la passe. Oh, je te passe. Oh, vous me revoyez plus. C'est fini, les gars. Vous me revoyez plus. Moi, je vais gagner du temps, les gars. Moi, je vais gagner du temps, mais j'ai plus d'énergie par contre. Là, c'est la hesse. Là, c'est la merde, les gars. Là, c'est la merde, j'ai plus d'énergie. Je peux encore dribbler, je sais pas comment j'ai fait ça. Allez, la balle dans l'axe. Oh non! J'ai cru qu'il se la mettait dedans. Non, les gars, faut marquer. Faut marquer, j'avais plus d'énergie. J'avais plus d'énergie et d'ado, mais aidez le galop, les gars, je suis désolé. Je pense qu'il n'aime pas marquer quand c'est moi qui lui fais la passe. Non, il me sort. Je suis dégoûté. Je vais pas finir le match, les gars. 8 tirs, 1 but. J'ai fait 8 tirs, j'ai marqué que 1 but. Allez, il fait rentrer Mbolo. Oh, les gars, j'ai la pression de simuler, là. Allez, on simule. Oh, mais si on s'est pas qualifié. Si on s'est pas qualifié, les gars. Ça fait chier, les gars, sérieux! Mais non! Mais c'est pas sérieux! C'est pas sérieux! On a fait un! Ils ont égalisé, quoi! Pff. On est éliminé, les gars! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté, on est éliminé de l'Europa League, quoi! Je suis vraiment, mais dégoûté, quoi! Sérieux! Oh, vas-y, ça me saoule. Oh, le moral, là, il est cassé, là. On a pris en plus 1 entre nous. Plus 1, on a de valeur aujourd'hui, c'est pas mal. Oh, les gars, là, j'ai pris une baffe. Oh là là, bah, pas retenu, c'est normal, hein. Comment on fait? On aurait dû... J'avais dit qu'on allait regretter toutes ces actions ratées. Ben, voilà. Voilà, les gars. Ben, Mbolo qui m'est doublé en championnat, mais... On avait de quoi dire qu'on fêtait les actions ratées, les gars. Oh là là, la vache. Se prend une baffe, là, les gars. On est éliminé de l'Euroleague. Alors qu'on a eu 80 000 actions, quoi. Je pense que... Je pense qu'il y a de quoi... Oh ouais, là, je suis dégoûté, là. J'ai même plus, parlé, pour tout vous dire. Bon, on va pas jouer Vaduz. Franchement, je crois que j'ai joué plus que les matchs qui m'intéressent. C'est-à-dire Vaduz, ça me fait chier de jouer aussi. C'est vraiment pas des clubs qui font kiffer. De toute façon, vous savez très bien, on est champion. Le dernier match qu'on va vraiment jouer, c'est la Coupe. Parce qu'on a la finale de la coupe, des nouvelles de Boitus, on s'en fout, il est nul à chier lui. C'est pour du un match, Zuffi, là, Zuffi. Ok, oh là là, ça fout le moral en bas. On va pas jouer Lugano encore. On va jouer... Oh bah les prochains matchs sont intéressants, on a des jolis matchs après, après Lugano. Hein. Zurich question, c'est joli à jouer, on va jouer Zurich question, je peux pas faire parce que Lugano... C'est vraiment de la petite équipe. Merci, on s'en fiche. Oh la vache, milieu de la couche. Je sais pas pourquoi je me suis dit on va se faire éliminer. On va se faire éliminer parce que... Voilà, parce qu'on n'est pas sur le terrain. Voilà, c'est un peu ça quoi. Enfin bref. C'est fait, c'est fait. On a fait un beau parcours en coupe avec le FC Ball. On ne sera pas champion d'Europe avec le FC Ball malheureusement. Ça aurait été incroyable de l'être, mais non. Alors, qu'est-ce que ça dit là? Voilà. Bon, on jouera contre Zurich. Avec une, ouais, avec une belle équipe sur le papier, ça fait plaisir les gars. Donc on va tout de suite se lancer contre Zurich. On va tout de suite se lancer contre Zurich et puis bah, on va espérer encore se remarquer en marquant quelques buts. C'est l'objectif, hein, se faire remarquer.
toute manière, je pense que nos matchs sont comptés avec le FC Bâle. Allez, on est à la maison. Faut cartonner aujourd'hui. De toute façon, on n'a même pas de pression à jouer. On se donne à fond. Et après, on verra. On a la meilleure attaque du championnat. Je sais même pas si je suis toujours meilleur buteur du championnat. C'est vrai que ce serait cool de finir meilleur buteur du championnat suisse de Challenge League. De Challenge League, qu'est-ce que je dis, de Super League. On joue pas en deuxième division suisse quand même. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Je peux venir avec moi, ça arrive. Ouais. Je t'envoie la frappe dedans. Ouh, ça commence fort. Ça commence fort. Deuxième minute de jeu. La première parade du gardien de Zurich. Le centre est pas trop mal. Dommage. Attention. Goal. Oh, mais comment tu fais pour rater ça, mec? Sérieux, comment tu fais pour rater ça? Oh, c'est récupéré. Oh, je la veux. Oh là, tu la mets. Oh, tu me la mets. Elle est belle. Elle est belle. Oh là, je la fais pas de cadeau. C'est une blague. Mais c'est une blague, les gars, de perdre des ballons. Pourquoi on tire sur le poteau déjà? Et ça fait trop d'actions qu'on rate. Ça fait trop d'actions qu'on rate. En attaquant de ligne de ce nom, on n'aurait pas besoin d'autant d'actions pour marquer, les gars. Oh, elle est belle. Oh, elle est belle. Il a compris ce que je voulais. Hop, je passe le premier, je passe le deuxième et j'envoie la frappe. Magnifique, yes. Allez, on marque notre 1-0. On marque enfin notre deuxième but de l'épisode. En célébrant, en foutant un coup de boule au drapeau de touche, très original. Magnifique, elle est quand même pas mal. La balle en profondeur est belle. Hop, petite élimination, fin de frappe pour se remettre dans la course. Et la frappe, poteau goal, magnifique. Bon, au moins, on court pas pour rien. Allez, 1-0. Ça, c'est pour les stats, messieurs. C'est pour les stats, pardon, messieurs. Fait plaisir. On passe en défensif, carrément. Le gars a peur. Le gars, c'est un fébrile. Le gars a peur. Pff, là, il a de la chance. Il a touché. Ouais, bien joué. Ok, mi-temps, les gars. Je sais pas combien de temps je vais rester sur le terrain, mais je pense pas long. Très clairement. Parce que là, je cours comme un porc. Je cours comme un porc. Allez. Pour vous donner une idée. Notre joueur, niveau précision, niveau frappe, il est pas... Hop, oh, fin de frappe. Oh lolo, il est chaud. Il est chaud. Et il tombe et il obtient le coup franc. Il obtient le coup franc et je sors. Bah oui, comme d'hab, je sors. Allez, 69e. Bon, de toute façon, on va gagner. On va gagner, regardez. Match terminé, plus 20. Plus 20, plus 1. Penalty plus 1, c'est bien. Vitesse plus 1, c'est cool. Surtout la vitesse. Endurance, oh là là, oh là là, oh là là, c'était bénéfique tout ça, reprise de volée, ça fait plaisir autant de plus 1 là, parfait, parfait, magnifique, magnifique, bon, qu'est-ce qu'on a fait nous? Ah, 1-0 face à l'ennemi, je pense qu'on a dû gagner, on a gagné 1-0, but de micro, ice les gars, vous l'avez compris, alors, orgue de retour, ok, alors c'est cool. C'est cool que tu sois là, mec. Tu joues jamais ou très peu. Allez. Contrôle, ça augmente. Oh là là, on va monter. Mais on monte, on monte, on monte. Et l'équipe nationale suisse, j'attends l'appel hein, pour l'Euro, là. On est chaud, hein. Jamais. Vous avez notre numéro. Si on va pas jouer. Je vais être avec vous, les gars. Je vais plus trop la motivation de jouer. Je vous propose que... je vous propose qu'on avance beaucoup. Ça me plairait tellement ça. Oh là là, ça me plairait tellement ça. Je propose qu'on avance jusqu'à environ ici. On va avancer jusqu'au match fait contre la finale contre Getse. On va finir la saison. Histoire qu'on puisse quand même voir où est-ce qu'on va finir après cette belle aventure avec Bâle. On va plus trop jouer de match donc. Enfin, on va jouer encore un match. Le troisième match, ce sera la finale de la coupe. C'est vrai que la finale, elle est tout de suite. Elle est là quoi. Il faudrait quand même qu'on la joue. Comme ça, dans le prochain épisode, on pourra commencer avec notre nouveau club. Donc c'est vrai qu'on va un peu accourcir la saison. Allez. Il nous retient contre Toon, c'est normal. Mais dis-toi dans un sens que je suis au repos jusqu'à la finale. Je te mets un triplé à la finale, coach. Je te jure. On joue Getse en plus en finale. Joli club. Il revient de blessure. C'est cool pour lui. C'est cool pour l'équipe aussi parce que c'est quand même un titulaire indiscutable. Allez. Hop. On prend des plus, c'est bien. Tranquillement, on avance. Hop, lui aussi revient Saint-Gall, hein, qui est mon club que j'apprécie beaucoup. Po, 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 po.
J'ai le plaisir de t'informer que j'étais sélectionné pour faire partie de l'équipe de Suisse pour la prochaine compétition championnat d'Europe, les gars. On va jouer la France. C'est quand même un truc de barge. On va participer à l'Euro, les mecs. On va participer à l'Euro. C'est bon. C'est officiel. C'est officiel. Il nous retient pour contre la France. C'est parfait. Alors, les gars, j'ai envie de dire une chose. J'ai envie de dire une seule chose. Rappelez-vous, le début, on avait 66. Notre pro, il a pris plus 10 cette saison. On va jouer l'euro. On va jouer l'euro. C'est quand même ouf. Dans l'Angleterre et la Grèce. Peut-être qu'on va quasiment pas jouer aussi. C'est tout à fait possible. Surtout avec l'équipe de Suisse. Et puis les quelques attaquants qu'il y a. En plus, s'ils ont progressé, c'est très très chaud. Ice, 18 ans, découvre la sélection. Ah, franchement, je vais être honnête avec vous là. Le respect des matchs en championnat là. A plus l'envie. Hein. Je pense que même vous, de toute façon, au début, vous étiez un petit peu là. Ouais, championnat suisse. Bref. Mais voilà, on a pris goût et là, il y a plus envie de jouer là. Il y a très clairement l'envie de jouer la Coupe d'Europe et la finale de la Coupe de Suisse aussi. Donc, on fera un épisode un peu spécial Coupe d'Europe. Épisode spécial Coupe d'Europe pour le prochain épisode. Appelé pour le prochain match. Ouais, il veut que je joue le prochain match, mais coach, là c'est mort. Enfin, on va soulever la coupe. Voilà, remporter le championnat. On a remporté donc le championnat. C'est vrai qu'il faut quand même le dire. On est officiellement champion suisse. On prend des plus de fous. Ouais, remporter le championnat, finition plus 1. Remporter le championnat à tir de loin. Ouais, c'est cool. Penalty aussi. Première coupe pour notre joueur. Exploit tir. Ouh, ça, c'est pas mal ça. Je crois qu'on va aller faire un tour sur notre profil du joueur là. Je pense qu'il y a deux, trois trucs à améliorer peut-être. On va aller voir ça. Second souffle. Oh, c'est important, second souffle. Extérieur du pied. Il y a des trucs de bien là. Oh ouais, ça fait plaisir. Ah ouais, là, ça fait très clairement plaisir. Ça fait très clairement plaisir. Le second souffle, il est très très important. Et oh les gars, on a 77 de général. Ouais, on a quand même. Oh là là, on a quand même monté. Quoi? Ah non. Non, 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 non. Le meilleur joueur de la compétition, c'est le gardien, notre gardien Vaslik. Il était couronné meilleur buteur. Je vais pas finir meilleur buteur. L'équipe de l'année publiée. Si je suis pas dedans, c'est un scandale. Quoi? Je suis même pas dedans. Ok, d'accord. Joueur de la compétition. Ouais, d'accord. Ouais, bref. C'est complètement pété ces titres. Ils sont complètement pété vos titres. Ça veut rien dire, les gars. Enfin, bref. Ça veut rien dire. On va s'avancer pour jouer les matchs de coupe. Les mecs, on va jouer la coupe. Titulaire. Titulaire en coupe. Peut-être notre dernier match. Notre dernier match avec balle. Je pense que c'est sûr et certain désormais. On joue notre dernier match pour l'équipe de cette équipe du FC Balle. Qui nous aura vu, je dirais, naître. Hein, parce que on a explosé à balle. Dernier match. Et très clairement là, j'ai pas le droit de le perdre. On n'a pas le droit de le perdre. Finale de coupe. On a un joueur qui est mais chaud comme tout. C'est parti les gars. On va porter une dernière fois ce maillot du FC Bâle. Et ensuite, on se concentrera sur l'euro. Allez, c'est parti. C'est parti les gars. Là, il n'y a plus du tout, du tout, du tout la place pour laisser le doute. Là, il faut les exterminer. On les extermine. On gagne la coupe. Et on n'en parle plus. C'est parti les gars. On pourrait réussir un doublé. Pour réussir quelque chose de fort avec le FC Bâle avant de repartir pour une expérience à l'étranger. Et frère, franchement, je serais chaud à réussir notre dernière. Très clairement qu'on se le dit, c'est notre dernière aujourd'hui. Hein. On touche là. Purée, on se crée déjà une énorme action. Dommage. La frappe au-dessus. Odofil, on voit une reprise. Dommage, les gars. Ça commence fort dans ce match. Oui. 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 Et du pied gauche. On marque un but du pied gauche. Wouhou. Allez, 1-0. Et on mène 1-0, les gars. Oh là là, le but du pied gauche. Il fait plaisir. Le but du pied gauche. Faut le souligner, je crois que c'est le premier que je mets avec balle du pied gauche. Et on ouvre le score dans cette finale. Magnifique. 1-0.
41e minute de jeu. Allez. Oui. Oui. Mais la autre. Oh, autre enculé centre. Oh. Non. Mais non. Non, 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 Delgado. Pourquoi tu tires pas, Delgado? Pourquoi tu tires pas, gros? Pourquoi il a pas tiré, Delgado? Sérieux. Touche-la. Touche-la encore. Ouais, come on. Oh, et je t'envoie la frappe. Oh là 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 là, il fait un arrêt mal. Oh là là, il fait un magnifique arrêt. Magnifique cet arrêt. Allez, viens, je te claque ma tête au premier, gros. Si tu me la mets bien, je la claque. Je te promets que je la claque. Oh putain, je mets une de 6 frappes. Magnifique. Je mets une de 6 reprises de volée. Je vais célébrer avec le banc. Non, je vais célébrer avec le banc. Allez, 2-0. Bon, on est champion. On est officiellement, je pense qu'on a gagné la coupe. Et on met un but sale. On met un but sale sur corner. Oh putain. En plus, je mets un de ces kicks à mon adversaire. Oh lolo, on met un sale. Alors, Lang, il a la bonne idée de se coucher. Mal, il la voit absolument pas arriver. Et nous, on inscrit un doublé en finale de coupe, les gars. Tranquille. On est chaud. Doublé en finale de coupe. Je crois qu'on peut le dire, on va gagner la coupe, les gars. On va gagner la coupe. Maintenant, j'aimerais juste être sur le terrain pour pouvoir vivre le moment où on va la soulever. Allez, arbitre, faut siffler. Faut siffler, mon gars, sûr. Avec Mbolo qui est frais, vous n'allez pas lui prendre le ballon. Arbitre, siffle. Siffle. Oh là là, Mbolo, il fait un boulot, là. Allez, à deux, peut-être, vous y arriverez. Oh là là, il a gagné du temps, le salaud. C'est fini. Allez, on savoure. On savoure. Je vais pas parler. Je vais vous laisser regarder tranquille. Bref, on aura vu notre joueur, mais vraiment en arrière-plan, quoi. Mais voilà, il soulève son deuxième trophée de sa jeune carrière. Ça fait plaisir pour lui. Voilà, on aura vécu une saison incroyable avec le FC Ball. Et aujourd'hui, ben, ça couronne, je pense, le travail de toute l'équipe. Vraiment, bon, on était de loin la meilleure équipe du championnat. Hein. Je savais que je commençais avec une équipe qui était déjà mais énorme au niveau de tout. Et que bah là, ça confirme quoi. Ça confirme simplement que Ball a vraiment une très grosse équipe dans le jeu, quand même. Hein. Il y a quand même un certain potentiel. Je sais pas si ça vous donnait envie, vous, de jouer avec Ball. Je sais pas ce que je fais, moi, d'ailleurs. Je sais pas si ça vous a donné envie de jouer avec Ball, vous. Voilà, il y a eu un bug. Je sais pas pourquoi je ne pouvais plus bouger. Je pouvais plus bouger, j'ai dû reconnecter une autre manette, ça c'est un détail, voilà. J'étais en train de vous dire qu'on termine une saison assez incroyable avec le FC Ball, les gars.
Que maintenant, il y a la Coupe d'Europe. On espère quand même pouvoir jouer quelques matchs. Hein, mais voilà, on a quand même fait quelque chose d'incroyable avec Bâle. Doublé pour notre première saison, pour notre jeune joueur. On va terminer cette saison sur un rapport d'équipe. On va terminer le rapport d'équipe sans regarder, franchement, même s'il y a eu d'excellents joueurs. On sait qu'il y a d'excellents joueurs dans cette équipe du FC Bâle. Hein. Là, vous avez les stats qui se défilent sous vos yeux. Il y a d'excellents joueurs. Ce que j'aimerais juste voir, c'est vraiment notre joueur au final, notre petit gars, voilà, plus 11. Il a joué 21 matchs, il a marqué 20 buts, il a eu des notes exceptionnelles. On a joué 20 matchs avec le Bâle finalement, on n'a pas beaucoup joué, hein. Quand on y pense, on a beaucoup joué l'Europe, pardon. Mais on a fait une très 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 belle aventure avec le FC Bâle cette saison et on va aller à l'Euro, on espère faire quelque chose de fort à l'Euro. En faisant quelque chose de fort à l'Euro, on pourrait espérer une grosse, ouais, peut-être arriver de gros clubs. Alors, championnat européen. Bien sûr, je suis pas retenu contre la Grèce. Bon, on va vivre notre premier match comme gars qui n'est pas appelé. Mais ça fait rien. On est déjà dans les papiers du coach puisqu'on a déjà été appelé. Allez. Oui, victoire 2-0, Zoufi et Mbolo titulaire avec l'équipe de Suisse. Bon, notre coéquipier du FC Bâle qui est titulaire avec l'équipe de Suisse. Et il nous retient contre la Turquie. Oh là là, on va jouer notre premier match pour l'équipe de Suisse et surtout notre première participation à l'Euro. C'est fort quand même. En cas de victoire, on se qualifierait. Je suis désolé de vous annoncer que ce prochain match, il se jouera dans la prochaine vidéo, les gars. Oui, on va quand même pas trop abuser. Ça fait déjà 1 heure que je rec, donc environ. Ouais, ça tourne entre 20 minutes de montage. C'est ce que j'aimerais tourner. Donc voilà. Je vous remercie, les gars, simplement d'avoir suivi le dernier épisode de la carrière avec Bâle. Hein. C'était quand même exceptionnel d'avoir pu jouer la Ligue Europa et avoir pu jouer si vite et de monter si vite. On a fait plus 11, donc c'est pour vous dire. Je vous remercie les gars d'avoir suivi l'épisode numéro 6. Je vous dis à bientôt et je pense que vous êtes tous motivés à voir l'épisode 7. Surtout après la première victoire de l'Euro, j'aimerais. On se réjouit tous de voir la suite les gars. Merci à vous, c'était Micro Ice. Allez, salut à tous.